Aveyron, je trouve que on est tous, déjà on se connaît à peu près tous. Et puis j'allais dire, je crois que il y aurait une entraide facilement. Si j'ai besoin d'aide et tout, je crois que je demanderai. Voilà, il y a une petite entraide qui se fait. Et j'allais dire les gens, enfin c'est pas ce que je connais, mais les gens à Aveyron, moi je trouve qu'ils sont particulièrement accueillants et sympas, quoi. Faut dire ce qu'ils sont. Ils sont sympas les gens. Oui, le lien est très fort. Faut que ça continue, hein. Faut que ça continue. Faut surtout pas arrêter ça parce que sinon tout est perdu, hein. C'est ça qui fait j'allais dire, c'est ça qui fait le noyau du comité. C'est chaque personne fait un métier différent. Il y en a qui sont en usine, il y en a d'autres. Voilà, on est tous en train de faire des métiers. Enfin, ceux qui sont. Sinon, il y a des retraités, hein. Mais ils ont tous un métier différent. Donc, c'est vrai que quand on a un problème, n'importe quoi, sur l'informatique ou n'importe quoi, il y en a qui travaillent dans l'informatique, donc on a un sur place. Si on a un souci, on a un plombier, il y en a un sur place. Vous voyez, c'est un noyau qui se fait. Il s'est fait tout seul d'ailleurs. Hein. Ouais, mon rôle, c'est d'essayer justement que tout le monde s'entende bien, qu'il n'y ait pas trop de. Comment j'allais dire pas trop de discussion. Enfin, pas de discussion, mais comment qu'on appelle ça? Comment je dirais bien, moi faut pas que les gens s'entendent entre parenthèses tout le temps, quoi. Faut que ça soit vraiment donc mon rôle. Et en général, je ne dis rien. Tout se fait, c'est ce que je me dis. Je leur dis tout le temps, vous étiez là avant moi, vous savez ce que vous avez à faire, j'ai pas d'ordre à vous donner. Et ça se passe très bien. Hein.